Salut, ici Sébastien, et c'est déjà vendredi, et j'aimerais vous montrer un bureau debout d'un style un petit peu particulier. Et c'est un bureau debout en bois qui a été fabriqué par une de mes amies, Victoria Labalme, parce qu'initialement, elle avait cherché, alors ici aux États-Unis, c'est difficile d'en trouver pour pas cher. En Europe, vous avez les bureaux IKEA à 300 euros. Aux États-Unis, ça coûte jusqu'à 8000 euros un bureau debout. Elle en a eu un comme ça, elle l'a renvoyé parce que ça lui plaisait pas. Et finalement, lors d'un voyage avec son mari en montagne, elle a décidé d'acheter en fait cette superbe planche de bois. Ça lui a coûté 125 $, ça fait genre 100 euros. Et de monter elle-même son bureau. Alors je vais vous montrer quand même, c'est assez ingénieux parce que le bureau tient sur une table basse, genre table basse IKEA, et des petits dossiers. Donc le petit tient sur un dossier qui est horizontal et l'autre tient sur un dossier qui est rangé à la verticale. Et voilà comment elle s'est construit son bureau debout. Donc elle est plus petite que moi, hein. Donc ça c'est sa bonne hauteur, avec une chaise ici pour pouvoir alterner et se mettre en position assise. Et c'est une super astuce, je vous recommande, même si vous devez le faire par vous-même, le bureau debout c'est la meilleure méthode pour avoir une bonne posture, faire un peu plus de sport, travailler un peu moins, être plus efficace quand vous faites vos réunions, et donc 100% recommandé par Sébastien. Bon, vous connaissez le principe, c'est déjà vendredi, donc dites-moi ci-dessous où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. C'est parti dans les commentaires.